What's up les pépites de chocolat? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que vous voyez sur moi? Une petite nouveauté, encore une nouvelle fois. Petite nouveauté. Lisez, lisez. Allez-y, lisez. C'est écrit quoi? Pure pause. The World Tour 2016. Eh ouais, le Pure Pause Tour, mon gars. Vas-y, lis. Lis, lis. Mark my world, Bieber. Eh ouais, poto. Eh ouais, poto. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? C'est le débardeur de Justin Bieber qui met sur scène pratiquement tous les soirs que j'ai reçu. Je ne sais même pas d'où il vient. Je ne sais même pas de quel site il vient. J'ai reçu ça, j'étais avec ma copine, donc j'étais avec Flavie. J'entends ma mère dire, ouais, ça doit être pour mon fils le colis. Et je savais très bien que j'avais mon colis de Six June qui devait arriver, mais c'était sur un point relais. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit celui-là. Et après, c'est vrai que j'avais reçu un email en me disant que j'avais un colis qui était en départ pour chez moi et tout, de la Chine. Alors au début, je me suis dit, ouais, voilà, je sais pas trop c'est quoi et tout. C'est peut-être une surprise d'un site ou d'une marque qui a repéré, je sais pas trop quoi. Et en fait, je devais l'acheter celui-là. J'avais pour l'intention de l'acheter, de mettre un truc Bieber pour le Pure Pause Tour. Parce que j'y vais le 20 septembre 2016, donc à Bercy. Et voilà, je devais m'acheter un truc. Et là, je vois quoi? J'ouvre le paquet. Je fais putain. J'étais trop heureux de l'avoir. Dans un sens, je me suis dit, mais what? Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Genre, on donne ça comme ça. Enfin, je me suis dit, c'est pas un pur hasard. Tu peux pas donner un truc de Bieber comme ça sans connaître un minimum la personne. Et je sais vraiment pas d'où ça vient. Je sais que ça vient de la Chine, mais je sais pas si ça vient d'un site ou si ça vient de genre d'un magasin de là-bas et tout. Franchement, j'en sais rien. Et bah ça fait super plaisir, je veux dire, c'est le truc de Justin, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est du M. Hop, voilà. Je kiffe le derrière. Et par contre, il y a un truc, c'est dommage quand même. C'est que le devant, c'est un peu con parce que t'as juste des petites écritures comme ça. Et c'est tout. Genre ça fait un petit peu con. Mais sinon, le derrière, il est juste trop kiffant. Je vais vous montrer parce que à la base, ça se fait pas comme ça tout court en fait, parce que ça se met comme ça que quand t'es vraiment bronzé, parce que c'est vrai que moi je suis un peu complexé de ma blancheur, genre j'aime pas trop être trop blanc devant la caméra ou dehors, donc voilà, je me mets vraiment genre bras nus et tout quand je sais que je suis bronzé. Donc je vais vous montrer un petit peu avec un t-shirt ce que ça peut donner. En tout cas, ça va être super cool. À tout de suite. Donc voilà, avec le t-shirt, donc j'ai mis un t-shirt blanc les mecs, j'ai repris l'idée du t-shirt blanc grâce à Walid, je crois qu'il l'avait mis sur le groupe et tout. Et du coup voilà, j'ai mis le petit t-shirt BNCTH et j'adore vraiment entre guillemets. Bon là sur moi je trouve que ça fait pas tip top avec le t-shirt blanc et tout, mais bon ça passe quand même. Mais en tout cas je suis super heureux. Alors si c'est un abonné qui me l'aurait... Je sais pas, je dis pas que quelqu'un l'aurait payé pour moi, parce que ça fait un peu genre, ça fait bizarre, genre la grosse star et tout, tu vois, qui se fait payer des trucs, mais genre, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui a fait ça en cachette, qui m'a acheté ça en cachette, genre, dites-le moi, venez en privé et dites-le moi parce que je vous rembourse, quoi, au moins, parce que franchement, genre, bah, c'est trop gentil si c'est ça. C'est peut-être une idée que je me mets dans la tête, ça se trouve, c'est juste un site et tout qui m'a remarqué, voilà, qui m'a envoyé ça et qui a vu que je kiffais Justin Bieber et tout, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un plaisir de ouf parce que c'est quelque chose que je voulais, quoi. C'est vraiment quelque chose que je voulais et puis c'est mon premier truc Bieber et ça fait super plaisir, en fait. Donc je suis assez ému de l'avoir reçu. Je vais pas dire que j'ai chialé non plus, mais ouais, ça fait super plaisir, sérieusement. Donc merci à mes pépites de chocolat en tout cas, parce que c'est grâce à vous que je monte et que je suis repéré par certaines marques, telles que Six June, Project X, Bad Caviar, par des sites comme Faraway, ainsi de suite, quoi, c'est sauvageunchop.com. Voilà, j'ai fait des belles rencontres malgré mon jeune âge et j'ai pas besoin de rencontrer des stars pour faire de belles rencontres. Je préfère rencontrer des personnes vraies qui n'ont pas trop d'oseille et tout, plutôt que des personnes qui ont de l'oseille et qui sont fausses avec moi. Donc voilà.
Ça fait super plaisir. Donc merci mes pépites de chocolat, je kiffe à la mort. Peace, mais pas sur moi.